Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager une information que je juge super intéressante, non pas parce que je suis absolument fan des arcanistes, quoique, non, tout simplement parce que c'est une info qui circule depuis hier sur le site reddit.com et qui crée véritablement l'engouement des fans dans les commentaires. Donc pour information, il suffit de vous rendre dans le Destiny Reddit et vous verrez un post qui a été édité par l'auteur Sun Shadow, donc hier, il y a environ un jour de ça. Et ce post parle tout simplement d'un arcaniste qui a réussi à soloter entièrement le raid de Kroptas, qui est déjà assez difficile en soi, mais en plus il l'a fait sans ne tirer absolument aucune balle. Donc bien évidemment il est arcaniste, il a donc la réanimation, il a donc les grenades solaires et le super des grenades, ce qui est déjà un gros avantage. Il a également le point, donc le coup de mêlée, donc forcément ça aide aussi, mais il faut quand même maîtriser vraiment la technique, c'est pas aussi facile à dire qu'à faire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de mettre en valeur la personne qui a réalisé ce solo. Donc l'auteur qui a réalisé cette performance s'appelle TheHM05, littéralement en américain TheHM05. C'était un petit youtubeur qui n'était pas très connu et qui a pris du coup presque 6000 abonnés en très peu de temps, donc je pense que ça lui a fait vraiment plaisir. Je trouve vraiment important de mettre sa performance à l'honneur et n'hésitez pas, si vous venez depuis cette vidéo, à lui laisser un petit mot, pourquoi pas, à lui dire que vous venez de France et que même en France, on admire son exploit, ou alors à partager ou à liker simplement sa vidéo, parce que vraiment ça a du mérite. Donc je vous laisse tout dans la description et je vous laisserai également un commentaire en dessous de cette vidéo pour ceux qui n'arriveraient pas à ouvrir la description par exemple sur mobile. Donc je vous mets le lien de l'article sur reddit.com, je vous mets également le lien des 4 vidéos qu'il a réalisées sur sa chaîne YouTube. Donc il a réalisé les 4 étapes différentes, elles sont pas très très longues, elles font en moyenne entre 5 et 10 minutes chacune, et encore je crois 10 minutes c'est très long. Il vous montre vraiment étape par étape ce qu'il a fait, les techniques sont vraiment impressionnantes, donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça de plus près. C'était la petite info du jour, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao !